Normalement censé marcher. Oui, ça marche. Maintenant, je veux savoir si on m'entend. Désolé pour vos oreilles, je suis navré. Je suis navré, désolé pour vos oreilles. Eh bien bonjour, bon... J'arrive plus à parler. Eh bien bonsoir à toutes et à tous, les amis, c'est Agent Gab. J'espère que vous avez la forme. Et j'ai complètement oublié de brancher la webcam. Honte à moi, je suis vraiment un gros débile. Mais c'est pas grave, on va la rebrancher. Normalement, la cam devrait être ajoutée. Et ben voilà. On va voir comment. Ok, on me voit bien sur la cam. Let's go. Donc on perd pas plus de temps. On se retrouve sur du Dead by Daylight pour s'amuser, pour être cette fois-ci survivant et justement, bah tenter de gagner, tenter de faire des games en survivant. Je tiens à préciser que cette rediffusion sera entièrement publiée sur YouTube, donc ce sera la suite de rediffusion qui était déjà sortie auparavant sur la chaîne YouTube, donc voilà. Donc là on sera sur du survivant, les amis, on va survivre ce soir. Pourquoi je suis en retard? Parce que déjà ma console a dû faire une mise à jour et ensuite le jeu a dû faire une mise à jour. Mais ça va, je suis en retard de 36 minutes, ce qui n'est pas encore très grave. Enfin, techniquement, si, mais on va rien dire, d'accord? Ça reste entre nous, ok? Le retard est injustifié, ça reste entre nous, d'accord? En réalité, c'est juste parce que c'est en raison de la mise à jour, donc du coup, j'ai pas pu faire comme je voulais! Eh oui! Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, je m'en bats les couilles du trailer, je veux pas voir la cinématique. Je veux jouer, moi! Je veux jouer! Je veux pas voir la cinématique, je m'en bats les couilles, je veux jouer! Je veux juste jouer à ce jeu qui est incroyable, un des meilleurs jeux pour moi de survival. Par contre, semaine prochaine, je vous l'annonce, mais programme live, on va être chargé. D'accord? Là, je vais vous bombarder de live ce semaine prochaine. Wesh, 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 wesh. C'est quoi la musique tarlé fou là? Bah, je comprends, c'est la musique de Castlevania. C'est la musique de Castlevania, je comprends. Du coup, je me suis mis en mode tueur, mais non, je voulais faire survivre moi à la base. Avec mon skin qui j'estime ressemble à Raúl Menéndez. Voilà, Raúl Menéndez de Black Ops 2. Maintenant, je ne dis ça, je ne dis rien. Ah, faut que je change. Bon, en vrai, je vais prendre une caisse à outils, ça peut faire le taf. Et en offrande, qu'est-ce qu'on va se mettre? Bon, allez, on va se mettre ça, tiens. Allez. N'a plus qu'à attendre pour une partie. Quand je vois mes statistiques, je suis à 1 million de points de sang. Je me fais. Oui, j'ai charbonné. Oui, j'ai charbonné ce jeu. Voilà. Je dis, mais j'ai charbonné ce jeu. Et voilà, Dead by Daylight, c'est trop bien. Franchement, si vous devez jouer à un jeu d'horreur, mais jouez à Dead by Daylight.
Ah mais vraiment, je vais jouer à ça. Hein. Le Payday Light, c'est trop bien. Le concept de survivant et tout. Enfin, le concept de base du jeu. C'est incroyable, les gars. Ah, partie trouvée. De toute façon, c'est pas compliqué. Vous voulez avoir des chances de jouer tueur, jouez la journée. Ok, quand vous voulez, si vous voulez faire des parties en tant que tueur, jouez la journée, bah soit le matin, soit l'après-midi. Vous aurez plus de chances de tomber sur des games tueurs. Et pour être survivant, je vais plus ce soir. Ok, voilà. Oh, on a Ada Wong avec nous. On a une Ada Wong. Ok, on a une Ada Wong. On a une... je sais pas ce que c'est. Et on a un Shinobi Naruto, bref. Du coup, j'en étais à où, moi, dans ma toile? Ouais, j'en étais à là. Parce que du coup, ils m'ont coupé pendant que j'étais en train de faire ma toile. Ouais, je sais quoi, ça, c'est Clark Kent. Ah, par contre, la lampe de poche, je ne dis pas non. Ouais, la lampe de poche, je ne dis pas non. David King. Ah, mais c'est mon perso, c'est juste qu'il est torse-poil. Ok, et eh bien, on est bon. J'espère qu'ils sont bons. J'espère qu'ils sont bons. Que c'est pas des noobs. Parce que, attention, moi, je suis très bon à Dead by Daylight. Par contre, j'espère que le meurtrier, il a pas claqué un momento. Hein. Parce que là, là, frère... Oh, le momento, je vais vous dire. Et vous reverrez mes gameplays quand je jouais à Albert Wesker, je peux vous dire une chose. Les momentos, c'est insane. C'est insane, les momentos. Mais bon, voilà. Donc, je le redis, les gars, pour ceux qui arrivent, mais je le dis. Il y aura une... Il y aura, pour la semaine prochaine, une semaine chargée. La semaine prochaine, ça va être une semaine chargée en stream. Donc, soyez au rendez-vous. Soyez au rendez-vous. Déjà, ce que je peux vous assurer, c'est qu'il y aura du DDLC. Du coup, on continue le let's play. Il y aura du DDLC. On va faire une pause sur, sur Resident Evil. Ok, on va faire une pause. Il y aura du DDLC. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre qu'il y aura, qui peut être sûr qu'il y aura. Bah, je sais pas. What the fuck? C'est quoi cette map? Wesh, c'est quoi ça? Oh, Ada Wong. Il y a Ada. Ah putain, il y en a un, il s'est déjà fait. Qu'est-ce que... C'est quoi? Oh, c'est Chucky. J'y crois pas. J'y crois pas. J'ai jamais vu Chucky en gameplay. Les putains de générateurs. Ok, la Ada Wong, elle est déjà sur un générateur. Qu'est-ce que c'est que cette merde? T'inquiète. Par contre, j'ai pas de trousse de soins, mec, hein, donc compte pas sur moi. Oh merde. C'est pas moi qui le veux, hein. Oh, c'est l'autre. Il veut l'autre.
Bon, écoute, moi, je trouve pas de générateur. Je vais essayer de soigner Adawong. Ok, le mec qui joue Chucky il est chaud. Ok, le gars qui joue Chucky il est chaud. Mec, il va falloir jouer la trappe, hein. À mon avis, il va falloir jouer la trappe, hein, je pense. Ok, à mon avis on va jouer la trappe. Tiens bon, Ada. Ça c'est fait. On va pas être loin de moi. Pourquoi est-ce qu'il faut que je tombe sur un joueur qui joue Chucky sans déconner? En plus, j'ai jamais vu un gameplay de ce tueur là. Ah. Bon bah, c'est ciao. Rip. Faut trouver la trappe. Hein. Faut trouver la trappe. Je pense que là, à mon avis, la game se résume juste. La trappe, parce qu'on est plus que 3, c'est quand même risqué, hein. Je vais faire le tour de la map. Oh la vache. Je vais regarder au sous-sol des fois si elle est pas au sous-sol la trappe. Bah déjà, information sûre, elle est pas au sous-sol. Ça déjà c'est une info sûre, elle est pas au sous-sol. Non, parce que là les deux elles sont juste en train de se faire laminer. Ou alors on tente les générateurs. Mais le problème des générateurs c'est que... il y en a même pas un de fait quoi.
Et merde! Putain! J'ai bien fait de me barrer. Parce que je savais qu'il allait... Ah, il est là! Yeah! Salut Chucky! J'avais pas vu arriver, Charlie. Ouais, Charlie. Ah bon, c'est pas grave, c'est la première fois que je me suis fait attacher. Si juste l'un de vous pourrait m'aider. Je sais que voilà, mais bon, quand même quoi. Je vais pas tenter de m'échapper parce que c'est juste du gâchis. Quoi? C'est une blague? Ils sont en alliance avec le meurtrier, j'y crois pas. Oh mes frères. Ah non 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 non. Ah non, c'est de l'anti-jeu ça. Ils ont pas le droit. Mais c'est une blague. Je vais mourir. Vas-y, c'est bon. Vas-y, c'est bon, frère. C'est quoi cette game? C'est quoi cette game, gros? Eh, rien à foutre, je le reporte. Rien à foutre, je le reporte. Comment on reporte? Comment on le reporte, ce bâtard? Putain, on peut pas reporte. Hein. Non mais gros... Non mais, on est d'accord, là c'est de l'anti-jeu, là. Là c'est littéralement de l'anti-jeu, en fait. Le tueur, il était à côté des deux autres survivants. Il ne les a pas tués! Pourquoi? Parce que c'est des femmes? Mais quel narcissique! Mais... Frère, femme ou pas femme, ton but dans le meurtrier, c'est de buter! Wesh! Frère, c'est abusé! Ouah, mais c'est abusé! Franchement, c'est abusé, sans déconner! Ça se fait pas, quoi!
te jure, c'est du n'importe quoi, frère. Non, mais le tueur, il était cancer déjà. Et ensuite, c'est... Wouah, non, mais Sandek, qu'est-ce que tu veux à... Bah, je préfère même pas... Je préfère même rien dire parce que... Mais gros, quand même. Je sais pas, faites un effort, quoi. Ah. Il ne s'est passé quoi? Apparemment, le live, il aurait bugué, selon Twitch. Enfin, selon même ma Xbox, ça aurait bugué. Je sais pas, bizarre. Bizarre, j'ai redémarré, écoutez. J'ai redémarré. Désolé pour la coupure. De toute façon, les deux... De toute façon, si ça coupe comme ça, les deux rediffusions, on les mettra... ce que je ferai, c'est que je les mettrai sur Wondershare et je les mettrai côte à côte. Ok? Comme ça, au moins, vous aurez les deux, vous aurez tout. En une seule live. C'est juste que vous aurez Wondershare Filmora, mais bon, je préciserai en description pourquoi. Voilà, comme ça, moi, vous n'êtes pas perdu. Parce que pour ceux qui sont pas sur les lives, au moins, ils savent, quoi. Ils savent exactement ce que c'est. Ils savent. Oh, putain de merde. Oh, je te promets, c'est pénible. De toute façon, la game d'avant, ça se voyait que le tueur, il était bizarre. Pourquoi? Genre... Pourquoi avant que... Comment? Avant que la game commence, il jouait juste... Il jouait juste normal, donc il tuait. Et que mystérieusement, il a décidé après d'arrêter de buter, de voilà. Non mais il va falloir qu'on m'explique, hein. Oh putain. On dirait un vampire le bail. Est-ce que ça va pas avec le type de Castlevania? À mon avis, thème orchestral comme ça, c'est Castlevania. Ouais, c'est Castlevania. C'est un méchant de Castlevania. Putain, on est à 3 dessus. Faut pas qu'il y en ait un qui merde. Nice, GG. On va peut-être pas se suivre. Là. Là. Ouais, viens. Oh oui, c'est un méchant de Castlevania, ça. Fais gaffe. Non, moi, je me suis caché exprès parce que... Boah, putain. C'est Dracula! Tadadé! C'est Dracula, frère.
Ah, ils ont mis Dracula sans déconner. Bon, en vrai, c'est bien. Il est bien comme tueur, Dracula. Après, à jouer, je sais pas. Mais en design, il est bien. En design, Dracula, à jouer, il est bien. Enfin, il est joli. J'ai vu de loin, mais... Mais il a une belle gueule. Ça va, j'aime bien. C'est pas le cliché d'un vampire à la con. Ils l'ont bien fait. En plus, ça reprend bien le style de Castlevania. Pour ceux qui ont joué à Castlevania, bien évidemment. Nice. Allez, dépêche-toi. Il doit pas être loin à mon avis. Fonce. Non, qu'est-ce que tu fais? Non. Viens. Non, non, bouge pas. Bougez de là. Regarde ça. Hop là. Et hop là. Et hop là. Et hop là. Et hop là. Oh, comment je les bait. Alors Dracula. C'est pas mieux que Dio. Wouhou. De toute façon, Dio, il est meilleur que toi en vampire, ma gueule. Eh ouais, ma gueule, tu joues avec un pro player, là. Et qui y a maintenant? Par contre, ce serait bien s'il y en a un qui pourrait prendre l'aggro. Je vais pas mentir, ça m'arrangerait beaucoup. Bah enfin. Oh merde. Oh non. Plissier. Merci, putain. Maintenant, faut que j'en profite, faut que je me taille. Faut que je me taille pendant qu'il est occupé.
Je suis désolé. Je suis désolé, mais j'avais pas le choix. Fallait que je m'en sorte comme ça. Quoi? Oh, nice. Nice. Allez, faut se tirer. Faut qu'on se tire de là. J'ouvre l'autre porte, j'en profite. Parce que l'autre il va être à l'autre porte. Donc elle est ouverte. Oula. Les deux sont au sol. Bon allez, je me tire, c'est bon. Il a dû les tuer à la sortie. Allez, tcho! Let's go! GG wallplay. Ça, c'est du gameplay, ça. Ça, c'est du gameplay, mon gars. Et ouais, ça c'est du gameplay, ma gueule. Ça c'est le gameplay qu'on aime, ça. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'aime les gameplays comme ça. Nice. Quelle heure il est? On regarde juste quelle heure il est, parce que 22h09. Bon allez, on s'en fait une dernière, parce que moi les gars, après je vais me coucher, parce que voilà, je suis... C'est pas parce que je travaille pas que j'ai pas une journée chargée, d'accord? Donc bah, techniquement, si. Techniquement, je travaille. Je suis auto-entrepreneur dans l'audiovisuel. Donc, techniquement, je travaille. Techniquement, je travaille. Ok, on s'en fait une dernière les gars, et après j'arrêterai là parce que... Au cas où... Là, gamin, j'ai rien prévu, et je pense que demain je vais me mettre sur le... Demain je vais me mettre sur un montage pour une prochaine vidéo, je pense, demain. Bah déjà demain, je vais faire le... Je vais copier-coller les deux là, je vais mettre les deux rediffusions de ce soir déjà pour demain en ligne déjà. Et je vais taffer sur un autre truc. Je vais taffer sur un montage.
je vais taffer sur un nouveau montage, peut-être, je sais pas, je vais voir. Je vais voir. Ou alors peut-être que demain je vous publierai des shorts, genre je sais pas. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en penserez, si vous feriez, si vous, ça vous dirait que je vous fasse des shorts plus souvent, genre. Parce que je sais que je produis beaucoup de vidéos, mais des fois ça vous intéresserait de faire, d'avoir des shorts, des fois. Des fois ça intéresserait, mais je vais pas le dire. Bien que personnellement, les shorts, pour moi, c'est un truc de chômeur. Hein. Tous ceux qui font, qui passent par des shorts, c'est, vous avez vraiment pas la passion, quoi. C'est, vous faites juste ça. Vous faites des petites vidéos courtes, mais pourtant, ces petites vidéos courtes, elles marchent, hein. Elles font du buzz. Hein. Mais moi, je suis pas un mouton, les gars. Et dire que pendant un moment, on me disait, ouais, mais pourquoi tu t'emmerdes à faire des vidéos longues comme ça, ou à faire des gros contenus, fais des shorts, ça ira plus vite et tout. Tu m'as pris pour qui, moi? Je suis pas un youtubeur récent, moi. Moi, je suis un youtubeur qui date, moi. Moi, je date, moi. Moi, je connais YouTube depuis longtemps, frère. Qu'est-ce que tu veux me faire faire un truc comme ça, toi? T'es malade. Moi, YouTube, pour moi, c'est les vidéos, c'est pas les shorts. Hein. Putain, j'ai mon bracelet Sharingan qui s'est mis. Oui, parce que pour ceux qui savent pas, j'ai des bijoux. Voilà, parce que j'aime bien les bijoux. Je vous le montre. J'ai un bracelet Mangekyou Sharingan, voilà, de Naruto, avec la bague de Itachi, voilà, et j'ai le collier, je crois c'est de Deidara, je sais plus si c'est pas de Deidara, mais en tout cas c'est un des membres de l'Akatsuki. Voilà, je me suis pris ça parce que j'aime bien et je trouve que ça me met bien en valeur, quoi, les bijoux. J'aime bien les bijoux, personnellement parlant. Bon. J'aime bien les bijoux dans le sens à petite dose, tu vois. Je vais pas me porter des gourmettes ou des trucs comme ça. Moi, je sais que je porte des bijoux qui dans l'ensemble me conviennent bien, tu vois, me conviennent beaucoup. Comme c'est le cas par exemple des bagues, des bracelets, des colliers, tu vois. Y'a que ça qui me va de toute façon. Y'a que ça. Gentiment. D'accord, très bien. Je suis un imbécile. Oh, c'était limite, celui-là. Scusate. Oh non. Oh non, c'est le tueur de Castlevania encore. Waouh, frère, les gens, c'est trop des pigeons. Par contre, je vais être un pigeon. C'est quand la collab avec FNAF elle va sortir. Hein. Donc été prochain. L'été prochain, je vous le dis, mais j'achète la collab FNAF, hein, tous. Tout. En tout. C'est quoi? C'est un loup-garou? Oh putain! Depuis quand il y a des animaux maintenant? Bye. C'est un putain de loup-garou, frère. Enfin, c'est un loup. C'est quoi ça?
What the fuck? Oh, moi j'étais pas prêt pour ça, moi. Moi je pensais que ça allait re-être Dracula, mais non. Mais non, c'est le... Attends. Non, c'est le pendu. J'allais dire merde, il campe, mais non, c'est le pendu. C'est le Kemé qui est pendu. Oh la D. Et je m'en bats les couilles, je rase les bords. C'est bon pour vous, je rase les bords, frère. Faut pas bouger. Ah mais ok, mais c'est en fait c'est une habilité de Dracula en fait. Il peut se transformer en loup. Attends-moi. Allez, faut y aller. Lara Croft, faut y aller. Parce qu'elle veut la trappe. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Elle voulait peut-être la trappe. Peut-être, hein. Ou alors peut-être elle cherche juste les deux autres. Mais je crois qu'elle voulait la trappe. Ouais, voilà. Elle s'est barrée par... Ouais, bah elle s'est barrée aussi. Ah bah attendez les gars, attendez, j'ai dernière game, mais attendez, j'ai quelque chose à vous montrer les amis. J'ai quelque chose à vous montrer, attendez. Je reviens, j'espère que vous ne serez pas spoil, mais j'ai un truc à vous montrer, d'accord? Justement pour ce genre d'événement. Ah attendez, vous avez pas montré ça d'ailleurs. Oui, parce que les bijoux en fait je les ai eus grâce à un déguisement en fait que j'ai commandé en ligne sur internet, bien évidemment sur Amazon. J'ai commandé ça sur Amazon. Et franchement... C'est incroyable ou pas les frères? Eh, guettez ça. Regardez, le détail frère.
détail sur les bras et tout. Oui, donc vous l'aurez compris, je suis Ghostface. Voilà, je suis Ghostface, voilà, c'est mon déguisement. Ni plus ni moins, mon déguisement pour Halloween. Eh, il est stylé quand même. Avouez les gars, il est insane. Attendez, je veux juste me voir dans la rediffusion, voir comment ça me rend. Oh, ça fait drôle. Oh, ça fait bizarre. Ça fait bizarre les frères. Wesh. Eh, vous savez quoi? On refait une game, mais cette fois je la fais avec le costume. Yo, on est sur la chaîne de Ghostface Gaming. Je suis mort les frères. Je suis mort. Eh, n'empêche, le masque il passe hein, en vrai. Hein. En vrai, c'est carré de night, hein, c'est chaud de night. Moi, j'aime bien perso. Alors, pourquoi Ghostface et pas un autre? Parce que déjà, Ghostface, j'aime bien en raison des Scary Movie. Ok? Moi, j'aime bien en raison des Scary Movie. Je sais qu'il y a le masque qui existe de Scary Movie. Donc, le masque qu'il a dans Scary Movie. Mais moi, j'ai préféré prendre celui des films Scream. Parce que voilà, bah, c'est le classique, c'est l'original, quoi. Mais en tout cas, les gars, c'est stylé. Voilà, c'est stylé, je vous dis. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien ce qui se passe. Alors oui, quand je dis faut pas abuser des cosplays, c'est genre en gros, il y en a, ils sont vraiment à balle sur les cosplays, mais moi c'est pas mon cas. Moi en fait, moi les seuls costumes vraiment que j'ai vraiment pour me déguiser, c'est bah, Ghostface déjà, donc de Scream, Itachi de Naruto, Luz Noceda de The Old House, donc en français Luz Houseville. Et c'est tout en fait. J'ai même pas plein de costumes, j'en ai que 3. J'en ai que 3 frères, juste pour vous dire le. Comme quoi ça m'intéresse pas du tout de me costumer. Mais bon, des fois j'aime bien. Voilà, des fois j'aime bien. Et puis surtout quand c'est des costumes qui me correspondent. Oh. Je dis pas que ce qui me correspond. Moi ça me correspond juste, c'est pour le. Waza! Waza! Moi c'est pas du hasard. En fait, parce que un jour, je vais faire la blague au téléphone à mes potes, je vais leur faire la blague un jour. Je vais leur dire, et quel est votre film d'horreur préféré? On va faire la scène de Scary Movie. What's up? Ah, putain, les frères. Alors, par contre, ça va être une galère pour voir. Parce qu'en fait, je sais pas si vous verrez bien, mais en fait, attendez, je vais vous montrer. Mais en fait, quand vous regardez bien, les yeux, en fait, ça fait de ça fait du fil, en fait. Enfin, du fil, du tissu, quoi. Mais du tissu très fin. Donc, ce qui fait qu'on arrive à voir à travers. Mais c'est vraiment très compliqué à faire. Alors, j'en vois venir dans les commentaires, ils vont me faire « Oh là 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 là, c'est pour cacher ta gueule Non, quand on cachait ma gueule, j'avais une. C'est juste pour vous montrer. En plus, on est dans le thème. Alors, normalement, j'aurais dû jouer tueur, normalement. Étant Ghostface, mais bon, voilà, on va dire j'aime bien les survivants, quoi, voilà, j'aime bien jouer les survivants et surtout vous faire passer pour les cons, quoi. Bref, moi bah, c'est trop drôle, les frères, je suis mort. Dites-moi si vous voulez que quand on fait du Dead by Daylight, je sois costumé comme ça, genre. Dites-moi, en vrai, moi, je serais chaud. Ce serait abusé, frère. Quel est votre film d'horreur préféré? Dans la rediffusion, ils vont me voir, ils vont se dire, mais putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi, ce con? Il fait quoi, ce con, à se costumer? Ah bah oui, bah j'y peux rien. Voilà, j'y peux rien. What? Oh, ça commence. Allez, c'est parti. C'est parti. Ghostface qui joue un survivant. Wouah, la gueule du jeu. Frère, le jeu, j'ai l'impression d'être En 460p, frère. C'est quoi, ça? Mais attends, j'y pense, mais pour les... pour les QTE, ça va être galère pour les QTE. Mais ouais, j'ai pensé, mais ça va être la galère pour les QTE. Vas-y, nique sa mère. En vrai, j'arrive à voir, mais vite fait. Hein. Vite fait, hein. Mais j'arrive à voir. C'est trop bien. Ah.
Oh non, pas l'infirmière. Oh non, pas la nurse. Pas elle. Oh elle, c'est la pire. Elle est affreuse, surtout quand tu sais bien la jouer. Je sais pas si vous avez vu, mais elle a un espèce de truc qui fait qu'elle se téléporte. Donc, si vous savez bien jouer cette meurtrière, bon, en fait, vous voyez, elle a une espèce de dash. Et en fait, ce dash, ça fait... ça peut être fatal, quoi. Ouais, tu vois, regarde. En fait, elle s'était fait instant. Ouais, tu vois, regarde ça. T'as vu ça un peu? Elle s'est pété instant, frère. Pour ça, celle-là, c'est la pire. Et surtout si tu sais bien la jouer. Si tu sais bien la jouer, celle-là, elle est horrible. Moi, je sais que perso, c'est un des tueurs que je déteste. Celle-là ou la chasseur, la chasseuse. Ah, le pif. Ah, let's go, elle m'a raté, j'y crois pas. Get ça! Elle se fait péter en route. Ok, faut pas que je me plante. Ouais, c'est le crime Nino. Elle fait le crime Nino Miskin. Je suis mort. Ok, je suis caché.
Allez, elle se knock out. Oula ah. Aïe, 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 aïe. Voilà pourquoi je dis que c'est la pire. Alors je joue la trappe. Fucking black. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai bien fait de me tirer. Descends avec tout, les frères. Ça c'est pas prévu. J'aime pas si tu l'as façon. L'infirmière, elle est la pire, tueuse. C'est la pire celle-là. C'est la pire parce qu'elle te met des putains de coups de pression. Je pense l'avoir brain. Je vois ce que j'ai dit, je vais pas prendre du tout même. Hey, c'est flop. Let's go, c'est flop. Thank you.
reste. Oh putain, me dis pas qu'elle a un effet sur toi. Parce que peut-être je suis blessé peut-être. Oh oh. Et bien. Bon, allez, c'est fini. Oh la vache. Oh la vache. Moi personnellement j'aime pas l'infirmière, la nurse. C'est l'une des seules tueuses que j'aime pas. La nurse avec la huntress. Avec le hunter, donc la chasseuse. Ces deux-là, je les déteste. Je déteste ces tueurs-là. C'est les pires pour moi. Il n'y a pas plus pire qu'eux en fait. Ils sont abominables. Ils sont clairement abominables. Bref, bon bah je pense qu'on va s'arrêter là du coup. Non, attendez, je vais juste... Surprise, Sydney. Juste retirer ça. Ah. On est tellement mieux sans le masque. On est tellement mieux gros. Bon, bah ce sera pas un succès mais... Mais en vrai c'était bien, c'était bien. Bah sur ce, si ça vous a plu, bah je vous dis à la... Bah tant mieux pour vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Demain, vous aurez la publication et la rediffusion complète sur ma chaîne YouTube. Donc, suivez-moi sur YouTube à Pal. Sur ce, les amis, on se dit à la prochaine. C'était Agent Gab. Ciao, ciao.